Bonjour tout le monde, je suis aujourd'hui sur notre stand d'exposition à LuxExpo à Luxembourg pour la foire des antiquaires. On est avec Thaïs Gobo qui est justement notre expert en gémologie et on a les pieds sur ce tapis de Corneille. Alors Corneille en fait c'est comme ça qu'on l'appelle avec un nom assez court. Thaïs me posait la question sur qui est cet artiste et qu'est-ce que ce tapis représente. En fait, c'est plus qu'un tapis, c'est une œuvre d'art. Guillaume, donc c'est ça le prénom, Guillaume de Beverlo Corneille, est né à Liège en 1922 et décédera en 2010. C'est un personnage qui est assez important dans la culture Cobra puisqu'il était un des initiateurs de ce mouvement avec Carole Apple. Corneille va vraiment mettre en avant des couleurs qui sont assez vitaminées, perses. C'est très coloré ce tapis, on le voit. Sur ce tapis, on va reprendre quelques éléments. Il est dans l'expressionnisme, mais tout en mettant en fait des souvenirs de retour de ses voyages en Afrique du Nord. Il en a fait beaucoup. On va retrouver le bleu d'ailleurs majorel ici, avec au Maroc, on retrouve ce bleu qui est étincelant. Et tout est dans la symbolique. Donc si j'ai bien compris, chaque élément sur le tapis va représenter quelque chose. Exactement. Par exemple, l'oiseau, il représente quoi ? L'oiseau, ça va représenter l'être masculin et l'artiste lui-même. D'accord. On va voir beaucoup de chats. On va retrouver un portrait de la tête de la femme. Donc ça va représenter la féminité et l'excellence. Ben, voilà. On va retrouver le serpent, souvent des serpents, et des animaux un petit peu fantasmagoriques. C'est vraiment, avec le soleil aussi, c'est tous des éléments qui ont une signification pour Corneille. Alors on est sur un tapis qui fait 2 mètres sur 2,80 m et qui est signé, mais alors regardez la qualité. Thaïs me demandait comment est-ce qu'on reconnaissait un beau tapis. En fait, un tapis en laine qui est fait à la main. En fait, il est aussi beau de devant que à l'arrière. On peut l'utiliser comme tapis de sol et moi je privilégie même des fois des tapis de muraux. On peut très bien utiliser ça comme vraiment une tapisserie au mieux. C'est une belle laine, on voit vraiment l'épaisseur, il est en état incroyable et ça c'est plus qu'un tapis, c'est une œuvre d'art, on va dire un élément de décoration par excellence. Voilà un petit peu l'histoire en fait de ce tapis avec chaque élément où on retrouve la puissance de l'être humain et de la terre, c'est vraiment ce qu'il a voulu mettre en avant avec le portrait de cette femme. C'est toujours très beau et c'est comme ça qu'on retrouve, en tout cas qu'on sait reconnaître Corneille. C'est l'oiseau, le soleil, le chat et la femme. Super, mais un grand merci vraiment pour toutes ces super explications pour Corneille. Bon, si vous avez des questions, le tapis il est ici en expo pour l'instant, il est à vendre. Et j'espère que je vous ai donné tous les tuyaux pour comprendre un peu mieux l'artiste. À bientôt. Merci.